Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est Noël, donc ça tombe bien, je vous souhaite une bonne fête de Noël en famille ou en solo, parce qu'on va voir que je, je vais avoir différentes propositions de fleurs de bac pour accompagner les émotions dans cette période-là. Même si on n'est pas attaché à cette religion catholique, c'est quand même la naissance du Christ. Après, il y a différentes religions, et là, au-delà de la religion, on n'est plus sur le sapin de Noël, sur... Sur les cadeaux de Noël, sur les fêtes en famille, et c'est plutôt ça que je vais proposer en fait. Hein. Euh, voilà. Chicory quand on s'apitoie sur soi euh, parce que euh, l'autre ne nous aime pas comme on le souhaiterait et qu'on attend un retour qui n'est pas juste par rapport à, à l'amour que l'on dispense à l'autre. Alors, bien sûr, dans les fêtes de famille, ça peut être se sentir euh, rejeté parce qu'on n'a pas été invité, par exemple, dans cette famille-là ou que. Euh, si on a des enfants, par exemple, euh, ça peut être les enfants qui vont fêter Noël euh, chez les compagnons et les compagnes. Et donc, bah, des fois, c'est une année sur deux, ou chez les, le père ou la mère, si c'est un couple, euh, bah, en tout cas si les parents sont divorcés ou séparés. Euh, donc voilà, ouais, il y, y a cette notion-là de, de se sentir aussi mis de côté et que c'est pas juste, en fait, parce qu'on ne se sent pas aimé euh, à notre... À notre valeur, et, et voilà, on a besoin d'avoir aussi les gens qu'on aime près de nous. On parle souvent d'amour possessif aussi avec Chicory. On peut être aussi agrimonie, on fait comme si tout va bien en famille, euh, on montre un sourire tout le temps euh, où on va blaguer, on va faire de l'humour autour de la table, alors qu'au fond de soi on peut aussi camoufler et cacher. Des sentiments qui sont tout autres parce que l'on vit des choses peut-être personnelles qui sont peut-être difficiles et on préfère ne pas gâcher l'ambiance de Noël, de ces réunions de famille et on va, on va adopter une posture de bout en train, de joyeux, de celui qui fait toujours rire la famille, etc. Donc on peut aussi, comme dit Bach, abuser d'alcool ou de drogue, c'est-à-dire que dans ces périodes-là aussi, on peut carrément abuser aussi de tout ça. Honest que je vous propose cette fleur-là parce que c'est la fleur de la nostalgie et on parle aussi de ces périodes de vie où on est en famille et on peut être nostalgique aussi d'un temps qui est révolu. Donc ça peut être aussi, euh, bah, je parlais de, de parents qui sont séparés, divorcés, euh, donc c'est dans le cas évidemment quand on est un enfant, mais ça peut être aussi euh, la posture de parents aussi euh, qui regrettent qu'on ne soit pas tous ensemble ou ça peut être aussi un couple euh, dont la personne est décédée. Et donc, euh, voilà, elle pourrait être aussi nostalgique que cette personne soit plus là, re se remémorer tous les Noëls d'avant. Euh, ça peut être évidemment quand un membre de la famille est hospitalisé, éloigné, et cette forme de nostalgie du euh, avant, passer des fêtes de Noël comme ci, comme ça, et maintenant c'est plus du tout le cas. Vous voyez cette cette forme aussi de de mélancolie qui peut aussi arriver par rapport à ça, parce que on n'est pas de fait et dans la joie de cette fête-là, puisqu'on est vraiment ailleurs en fait. On peut aussi se sentir coupable d'avoir dit oui, de passer Noël en famille dans cette famille-là plutôt que l'autre, et de laisser l'autre membre de la famille ou les autres membres de la famille euh, sans nous. Donc on peut aussi s'en vouloir de ne, pas, de ne pas être présent, par exemple. On peut aussi des fois accepter d'être présent, justement, dans une famille ou chez des amis, parce qu'on n'est pas forcément rattaché à une famille, on peut aussi être quelqu'un de seul euh, qui, euh, qui va accepter euh, une soirée, euh, une veillée de Noël ou une journée de Noël euh, pour faire plaisir, mais au fond de lui, il n'a pas forcément non plus envie d'être rattaché à cette, à cette veillée ou à cette fête de Noël. Et voilà, par gentillesse, il va céder. Il va se retrouver aussi euh, voilà peut-être dans, dans, dans des endroits où il se dit qu'il n'a rien à y faire mais bon il y est quand même hein. on peut être évidemment très triste j'ai parlé de séparation de maladie de décès d'éloignement donc on peut évidemment avoir du chagrin hein, ce, ce 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 moment particulier de l'année où alors évidemment je parle ça ne concernera pas tout le monde parce que tout le monde ne fêtera pas cette fête, évidemment, selon nos croyances, nos religions, euh, nos cultures. Mais on parle de chagrin, de tristesse. Et là, on parle de larmes, on parle peut-être même de choc, hein, parce que ça peut aussi arriver la veille de Noël, quelque chose qui aurait pu aussi arriver, se produire. Un décès, une maladie, une hospitalisation de dernière minute. Ça peut être même un licenciement, ça peut être une séparation, euh, ça peut être quelque chose de beaucoup plus euh, anodin, entre guillemets. Un deuil ou, ou que la maladie, ou voilà, mais voilà, on parle de, on parle de cette notion de, de chagrin, de tristesse, de deuil, de quelque chose à encaisser, alors que c'est pas forcément évident, puisque normalement on dit qu'on ré, on se réunit pour euh, voilà pour célébrer, être ensemble, etc. Euh, Sclérantus, on peut hésiter, euh, qu'est-ce que je fais J'y vais, j'y vais pas, je fais le choix de ci ou je fais le choix de ça, euh, dans quel euh, dans quelle mesure ça, c'est pas mieux que ça. Et on n'arrive pas à se positionner. Et donc ça peut être compliqué aussi de faire un choix. Je pense notamment euh, voilà au couple qui voudrait faire plaisir à la belle famille ou plutôt à sa propre famille, etc. ou les enfants aussi de cette famille-ci si plutôt de cette famille-là, ou d'être avec mes parents, mais quand même, je préfère être quand même avec les parents de mon chéri. Voilà. Euh, on peut avoir peur aussi de se retrouver euh, dans une situation euh, qui peut être euh, inconfortable parce que je vais passer les fêtes de Noël et puis euh, j'ai peur de ne pas pouvoir avoir mon transport par exemple parce qu'il se peut qu'il puisse y avoir des perturbations euh, dans le cadre du train, de l'avion, du déplacement, euh, la peur de retrouver la famille. Euh, je peux aussi avoir peur aussi de retrouver certaines situations de ces périodes-là qui sont très complexes aussi, euh, puisqu'encore une fois, cette fête-là, ces fêtes-là, ces périodes-là ne sont pas toujours empreintes de joie, bien au contraire. Euh, J'avais envie de citer aussi Sweet Chestnut, qu'on des fois on méconnaît un peu, c'est cette fleur qui va parler de cette personne qui va être... Euh, au bout de ce qu'elle peut endurer comme, comme souffrance, comme douleur. Alors ça peut être évidemment une souffrance physique, hein, quelque chose qu'elle endure depuis longtemps, mais ça peut être aussi une douleur morale qui peut être associée à justement euh, soit de la maladie, soit une séparation, soit quelque chose de complexe, soit, soit un travail aussi qui est difficile pour elle et elle a l'impression aussi de ne pas pouvoir être dans une forme de lâcher-prise et qui fait que ces périodes-là, elle ne va pas forcément bien les vivre non plus. On peut se sentir aussi débordé, paniqué, euh, à l'idée de gérer pas mal de choses dans cette période-là, puisque des fois il faut boucler aussi euh, ben, voilà, cette notion de travail aussi, peut-être prendre des vacances, peut-être gérer, peut-être des déplacements aussi, euh, peut-être pas tout seul, peut-être en famille justement, euh, qui implique beaucoup de euh, comment dire de, de choses à traiter, à gérer. Euh, plus euh, pour certains, voilà, euh, s'occuper euh, voilà, de, de, de faire plaisir en achetant un certain nombre de choses, de passer à tel endroit, de ceci, de cela, etc. Sans compter tout ce qui va être aussi lié à l'alimentation, au repas préparé, aux festivités, etc. Et si c'est la personne qui reçoit, elle peut aussi avoir ce, cette notion de débordement, de sentiment de dépassement et de pouvoir assurer quoi. Je vais passer avec cette fleur-là, Walnut, qui parle de cette notion de. D'être hypersensible, euh, alors on parle d'influence et aux idées, euh, Walnut, on parle de cette hypersensibilité qui va chahuter aussi notre propre état interne, notre propre comportement, notre propre façon euh, de vivre cette période-là, de la veillée de Noël ou du jour de Noël, ou voir les jours d'après, peu importe. Mais c'est quand les ambiances, quand les situations sont impactantes et qu'on est vraiment euh, fragilisé, euh, on a l'impression que ça va déteindre sur nous et qu'on va du coup. Euh, des fois changer de comportement et on n'est pas assez costaud pour pouvoir vivre cette situation-là, bah parce que cette famille-là, ce n'est pas, pas si facile aussi à vivre, parce que des fois on arrive dans des familles, alors on a des fois nous-mêmes nos propres familles, qui sont des fois très complexes aussi à vivre, et des fois on peut se retrouver dans des belles familles ou des situations qui nous mettent dans des postures où on a l'impression d'être vraiment, euh, vraiment fragilisé et, et, et d'être... Euh, Impacté par tout ce que l'on entend, ce qu'on ressent, voilà, les, les, même les odeurs. Enfin, vous voyez tout, tout, tout ce qui peut changer aussi notre état d'esprit de se dire bon bah euh, j'arrive pas à faire face à tout ça et être vraiment complètement qui je suis et je me laisse un peu aussi influencer par toute cette situation et ça me met mal à l'aise. Et je vais conclure avec cela, j'en ai donné énormément. Euh, White Chestnut, qui est la fleur de la rumination mentale, donc à la préparation des fêtes, pendant les fêtes, pendant la veillée de Noël, pendant ceci, pendant cela. On peut aussi avoir du mal à décrocher avec notre mental, parce qu'il y a des pensées qui nous obsèdent. Ça peut être notre travail, ça peut être notre chéri, ça peut être nos enfants, ça peut être notre situation physique, évidemment, ça peut être l'argent. Euh mille et une choses, ça peut être les déplacements justement pour aller retrouver la famille et qui font qu'on bah, on va pas réussir à, à, à être complètement dans le présent, dans cette soirée-là, dans cette journée-là, avec notre famille, avec nos proches, avec ceux qui seront évidemment à nos côtés, qui ne sont pas forcément des gens euh, voilà, qu'on va forcément chérir, mais c'est le contexte qui fait que nous sommes réunis tous autour de cette occasion et du coup, il bah, y a des moments où on n'arrive pas à être complètement dans la situation à cause de notre, notre tête qui n'arrive pas à s qui n'arrête pas de s'emballer. Et c'est compliqué aussi d'être présent à soi-même dans ces moments-là. Je vous souhaite une bonne semaine, alors peut-être de vacances, peut-être pas. Et oh, au bah, Malais vous souhaite aussi un bon Noël, une bonne fête. Et, euh, et je vous dis à la semaine prochaine.